Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 mode commando pour continuer notre ami Cypher. Nous sommes donc à l'épisode 73, donc c'est plutôt pas mal, on a plutôt bien avancé. On est plutôt très bien aussi en termes de temps, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa, plutôt rapide, malgré qu'on est quasiment qu'au corps à corps. Je dis bien quasiment, je vais pas dire que c'est 100% corps à corps. Évidemment, il y a aussi les ennemis qui peuvent nous embêter qui sont élémentaires. Éventuellement, c'est vrai que pour les élémentaires, on aurait pu faire une petite chose. Vu qu'ils trichent, on aurait pu utiliser de l'invincibilité pour pallier à ceci, mais je ne désirais pas faire ça là. Parce que, l'invincibilité, c'est comme si on utilisait vraiment un cheat code. Les armes, c'est pas un cheat code, mais comme les ennemis, ils ont des habilités de feu, de glace ou justement de foudre. C'est pas qu'ils trichent, c'est juste que c'est le jeu qui est codé comme ceci. Mais du coup, on utilise les armes pour pallier justement à cette petite difficulté qui aurait pu être prise. Il me semble que ça va être par ici. Ah oui, le fameux boulot. Le boulot, on va le taper, on va le tabasser. Et là, normalement, on peut se faire plaisir. Ah bah même pas. D'accord, en essayant de se faire plaisir, on se fait défoncer. Très bien. Non, tu ne pourras pas. Toi, tu vas enlever les habilités aux autres, parce que bon, c'est chiant, hein. Qu'on se le dise. Et j'avais pas vu, mais lui, il a une sacrée tête quand même. Encore un tronçonneur, oh là. Je les déteste en plus, hein. Tant pis, on risque de mourir, parce que je fonce trop. Ah, il m'a eu. Il m'a eu, mais c'est pas grave. Là, on peut pallier, on peut le défoncer tout simplement parce que c'est bien qu'il ait un tronçonneur, mais comme on se ressuscite, on a le droit à des frames. Enfin, pas des frames, mais un peu de temps d'invincibilité. Allez, let's go. J'aurais pas été touché par le bourreau, j'aurais pu me faire le tronçonneur sans mourir. Mais j'aurais utilisé pas mal de santé pour pouvoir le tuer. Je ne le cache pas. T'as de la chance. T'étais à deux doigts de te faire sniper ou de te prendre une balle de magnum, toi. T'étais à deux doigts. T'as de la chance. Là, je t'assure que t'as de la chance. Encore un ennemi et après, on aura un tronçonneur. Un APAD et deux pourris. Bon, alors voilà, bon, c'est lui qui nous avait tués. Hein. Non, mais là, tu triches. C'est pas grave. Les cœurs, on peut les utiliser. C'est pas interdit. C'est sûr que c'est mieux de ne pas en utiliser, hein, mais bon. Écoutez, ils vont pas nous servir à grand chose. On meurt pas beaucoup dans l'émission du jour, c'est pour ça que je me permets de le faire. Après, c'est sûr, ça peut être aussi intéressant pour les brigades de survie, hein, d'utiliser ceci, mais bon, comme je sais que j'ai pas encore la force de frappe pour les brigades de survie, tiepi. Et ben voilà. Cet épisode 73 se sera bien déroulé quand même, malgré qu'on est mort deux fois. C'est pas très rare, parce qu'une mission du jour, enfin deux missions du jour, et c'est fini. Donc ça va. C'est plutôt cool. On va aller chercher les éléments d'armes. De toute façon, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué, normalement, dans le jeu, hein, bien évidemment. Arriver à ce stade, opération 8, c'est pas mal. On va pas se le cacher, c'est déjà pas mal. Surtout en code rouge, c'est différent, ça fait mal. Mais bon. Après, c'est plutôt sympathique. On va regarder un petit peu. Je crois que j'avais pas fait trop les améliorations, en fait. Ok, bah ça va. Donc voilà, les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2, toujours en compagnie de notre ami Cypher. Allez, salut à tous, les amis!